je m'appelle Mathieu, j'ai 19 ans. Ici, on se trouve à Parthenay, à ADC plus précisément, Atelier de la Chaînette pour ceux qui connaissent. Et ici, je suis électromécanicien, je fabrique tout ce qui est pont roulant, on fait tout ce qui est matériel de levage. En fait, je construis carrément les ponts. La poutre, elle arrive, elle est juste peinte. Moi, je mets que ce soit les autocollants, tout ce qui est électrique, le système de levage, la direction. En fait, elle arrive brute, sans rien, juste la peinture, puis moi, j'assemble tout, en fait. À la base, j'étais en bac, j'ai passé mes stages de terminale et première ici. Ensuite, j'ai arrêté après mon bac parce que j'en avais marre des études, tout simplement. J'ai fait pas mal de petits boulots en intérim, mais après, finalement, je suis venu ici en intérim. J'ai dû rester 6-7 mois en intérim. Puis finalement, ils ont décidé de m'embaucher en CDI. Puis je me suis toujours dit, de toute façon, on ne peut pas trouver un boulot comme ça, surtout après le bac. Parce que tout le monde te dit, t'as qu'un bac, tu ne trouveras jamais de travail et tout. Ben non, si on persévère, la preuve qu'on peut. Ben j'ai toujours eu envie de voyager, mais à cause de moyens, on peut pas trop, surtout quand on est jeune. Même ici, si on veut, on peut faire des chantiers à l'international ou même dans toute la France. On en a fait pour le Qatar, des ponts pour Abu Dhabi dans les Émirats Arabes, il me semble. L'Allemagne, il y a des clients russes qui sont venus la semaine dernière. Il y a toujours moyen de voyager, finalement. Mon avenir en Gâtine. Franchement, je sais pas, on verra où le temps nous mène, hein, comme on le dit si bien. Mais je sais vraiment pas pour l'instant. Bon, je suis plutôt content parce que dans l'affaire, je garde mes amis, ma famille près de moi, donc c'est le principal après. Mais finalement, il y a toujours cette joie de trouver un travail, un CDI, surtout à mon âge.